Shalom à tous. Dans cette étude, nous allons expliquer pourquoi il n'est pas nécessaire de fixer le début de l'année selon l'équinoxe de printemps. Et surtout, pourquoi c'est une grave erreur de le faire. Avant de commencer à parler de l'équinoxe, je voudrais rappeler comment Yahweh veut que nous fixions le début de l'année. Comme les fêtes de Yahweh sont des fêtes agricoles, alors ces fêtes dépendent évidemment de nos cultures et de nos champs. Pendant la fête des pins sans levain, Yahweh veut que nous lui apportions une offrande spéciale appelée l'offrande de la gerbe agitée, appelée également homère en hébreu. Yahweh dit de ne manger aucune des récoltes de l'année en cours jusqu'à ce que nous lui ayons présenté cette homère spéciale, parfois appelée l'offrande des prémices. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne. Et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant Yahweh, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. Vous ne mangerez ni pain, ni épiroti ou broyé jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Elohim. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. C'est vraiment une bonté de la part de Yahweh de nous permettre de lui apporter de l'orge sous forme de prémices c'est-à-dire qui n'est pas encore complètement mature donc sèche et dure et cela dans le but que nous puissions commencer à manger de nos récoltes dès que possible on retrouve toujours ce phénomène des prémices même pour ceux d'entre nous qui ont un potager c'est-à-dire qu'il y a toujours des fruits ou légumes un peu précoces qu'on appelle prémices cette année par exemple sur mon cerisier avant le gros de la récolte, eh bien, il y avait une vingtaine de cerises qui étaient déjà en avance, déjà mûres. L'année dernière, c'était un plan de maïs. Voilà, il, était, il était mûr plusieurs semaines avant les autres. Et puis vous avez aussi ce phénomène pour les pommes de terre primeurs hein, qui sont consommées bien avant leur pleine maturation. C'est comme si tous les végétaux avaient été créés par Yahweh pour lui offrir des prémices. Évidemment, quand nous offrons les prémices, il doit y avoir quelque chose à manger. Il va donc de soi que la meilleure façon d'éviter d'apporter à Yahweh une offrande sans valeur, eh c'est d'attendre que nous ayons déjà aperçu physiquement de l'orge à vivre dans le pays d'Israël, avant de déclarer la tête de l'année. Si nous procédons ainsi, il n'y a aucune possibilité de contrarier Yahweh en lui présentant une gerbe immangeable. Cette méthode est simple et infaillible. Alors, pourquoi commencer le début de l'année avec un autre élément euh, comme avec l'équinoxe D'autant plus que l'équinoxe n'a pas d'influence sur la maturité de nos champs et de nos cultures. Pourquoi beaucoup de calendriers aujourd'hui utilisent l'équinoxe Certaines personnes veulent en effet faire les choses d'une autre manière. Il y a donc des partisans qui essayent de fusionner le concept grec de l'équinoxe avec les écritures. Mais alors, euh, ben, c'est quoi Qu'est-ce que c'est qu'un équinoxe finalement Eh bien, un équinoxe est défini comme le moment où le jour et la nuit sont de durée égale. Ce phénomène arrive deux fois par an. Vous avez l'équinoxe de printemps, et puis ça arrive aussi à l'automne, euh, l'équinoxe d'automne. Mais ça, c'est dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire là où euh, les Européens vivent. Dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées, donc euh, les équinoxes, on les appelle différemment. Par exemple, l'équinoxe de printemps, eh bien, cela tombe en automne dans l'hémisphère sud, donc on l'appelle l'équinoxe de mars. Alors, ce concept de l'équinoxe a été établi pour la première fois par l'astronome Chaldéen, qui dit-nous, vers 379 avant notre ère. Cela signifie que le concept de l'équinoxe n'a donc rien à voir avec la Torah de Mosché. Les Babyloniens et aussi les Grecs prêtaient attention à l'astrologie et au mouvement des corps célestes. Certaines personnes pensent que le mot Tekoufa fait référence à un équinoxe dans le Tanar, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Car c'est ainsi que le mot est utilisé aujourd'hui. Cependant, nous venons de voir que le concept de l'équinoxe n'existait pas encore à l'époque de Mosché. Beaucoup de mots peuvent changer de définition au fil des siècles. Par exemple, le mot secte dans les Écritures faisait référence à une dénomination. Aujourd'hui, le mot secte ne veut plus dire cela. Aujourd'hui, une secte, c'est une communauté endoctrinée par un gourou ou alors un groupe de personnes sous l'emprise de manipulateurs. Comme nous le montrerons, c'est également le cas du mot tekufa puisque le concept d'équinoxe n'existait même pas dans les années où le Tanar a été écrit. La concordance de Strong définit une Tekufa comme un cycle complet de temps, c'est-à-dire un circuit complet ou une révolution, sans aucune mention d'équinoxe. Concordance Strong, numéro 8622, Tekufa. Revenir, circuit en temps ou espace, un tour, une course. Dans la Louis II, c'est traduit la fin, le cours, être révolu, achever sa course. Alors ces définitions ne disent rien sur un équinoxe. Elles ne font aucune référence à des parts égales de jour et de nuit. Il est juste mentionné de faire le tour, circuler, faire un circuit. En d'autres termes, il se réfère à l'achèvement d'un cycle de temps, quelle qu'en soit la durée. Le mot Tekufa ne se trouve que quatre fois dans les Écritures. Et donc, nous allons examiner ces quatre occurrences pour montrer que cela n'a rien à voir avec l'équinoxe. La première instance est dans les psaumes, chapitre 19. Les cieux racontent la gloire d'Elohim et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Le jour parle au jour et la nuit enseigne la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entende pas. Leur voix se répand par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Là, il a dressé un pavillon pour le soleil. Et lui, il est comme un époux sortant de sa chambre nuptiale. Il se réjouit comme un héros de parcourir la carrière. Son point de départ est à l'extrémité des cieux. Son orbite, Tekufa, embrasse leur étendue. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Les théoriciens de l'équinoxe suggèrent que le verset 7 fait référence à un équinoxe parce qu'il parle de la façon dont le soleil parcourt un circuit d'un bout à l'autre du ciel. Cependant, la définition d'un équinoxe est lorsque le jour et la nuit sont de durée égale. Et ce passage ne dit rien à propos de ce sujet. Ce passage dans les psaumes parle du mouvement du soleil, même si nous savons aujourd'hui que c'est la Terre qui tourne autour du soleil d'un point de vue astronomique. De toute évidence, le mot tekoufa ne signifie pas équinoxe dans ce contexte, car si nous essayons de substituer le mot équinoxe dans la lecture, nous obtenons un non-sens. Son point de départ est à l'extrémité des cieux. Son équinoxe embrasse leur étendue. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Alors oui, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais cela ne signifie pas que la Torah nous ordonne de commencer notre calendrier après l'équinoxe, lorsque le jour et la nuit sont de longueur égale. Et suggérer que c'est le cas, c'est déformer sérieusement le texte. Le mot Tekufa est également utilisé dans Exode 34-22. Et Ahoy nous dit d'observer la fête de la récolte, c'est-à-dire euh, les tabernacles, à la fin de l'année, Tekufa Hashanah. Les défenseurs de l'équinoxe disent que cela fait référence à l'équinoxe d'automne. Mais ce qu'il dit en réalité, c'est qu'à la fête de la récolte, c'est-à-dire euh, des tabernacles, l'année agricole a fait un circuit complet. Et ce sont les dernières récoltes avant l'hiver qui marquera la fin de l'année d'un point de vue agricole. Tu célébreras la fête des semaines des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin tékoufa de l'année. Nous savons que ce mot ne peut pas signifier équinoxe pour les mêmes raisons que nous avons vues précédemment. Si nous substituons le mot équinoxe dans ce passage, nous obtenons une absurdité. Tu célébreras la fête des semaines des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à l'équinoxe de l'année. Nous devons comprendre que le mot ne veut pas dire la même chose que le mot fin dans la plupart des langues européennes. Il se réfère plutôt à l'achèvement d'un cycle, et dans ce cas, l'achèvement du cycle des trois fêtes annuelles de pèlerinage. Euh, C'est un sens poétique et nous ne devons pas le mutiler. L'utilisation suivante est dans 1 Samuel 1,20, où il est dit que dans le cours du temps, le à ayamim, Anne conçut et enfanta un fils. Au terme de la période tekoufa, Anne, qui avait conçu, enfanta un fils et lui donna le nom de Samuel, parce que dit-elle, j'ai demandé cet enfant à Yahweh. Le sens littéral de letekufat tayamim est au cours des jours. Dans ce cas, cela fait référence au début et au terme de la grossesse d'Anne. On voit facilement que la tekufa est ici utilisée pour parler du cycle des neuf mois d'une grossesse humaine. Et si nous essayons d'insérer le terme équinoxe ici, nous obtenons encore une fois un non-sens total. Il arriva donc à l'équinoxe des jours qu'Anne devint enceinte et enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Samuel en disant ⁇ Parce que j'ai demandé à Yahweh ⁇ Et enfin le mot Tekoufa apparaît également dans 2 Chroniques 24-23. Ce passage nous raconte comment l'armée de Syrie est venue contre Juda et Jérusalem lors de la à shana ou alors le cycle de l'année. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butins. De toute évidence, aucun des quatre endroits où le mot Tekoufa est utilisé dans les Écritures ne fait référence à un équidoxe. Au lieu de cela, il se réfère à la course quotidienne du soleil dans le ciel, à l'achèvement des trois fêtes de pèlerinage annuelles, Également à la gestation des 40 semaines de la maman de Samuel, et également au moment où les rois sont partis en guerre. Pourtant, étonnamment, certaines personnes insistent encore sur le fait que c'est la preuve que nous ne pouvons pas commencer l'année biblique avant que l'équinoxe de printemps ne soit passé, sur la base de Genèse 1.14-19. Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années et qu'il sert de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Les défenseurs de l'équinoxe soutiennent que lorsque Genèse 1.14 dit que le Soleil et la Lune sont utilisés pour séparer le jour de la nuit, cela fait référence à l'équinoxe. C'est-à-dire lorsque le jour et la nuit sont de longueur égale. Cela semble être tiré par les cheveux. Si Yahweh veut que nous passions par l'équinoxe, pourquoi ne le dit-il pas tout simplement et comment Yahweh peut-il nous ordonner d'utiliser l'équinoxe alors que l'idée a été inventée quelques 1500 ans après le don de la Torah, par les Grecs, et pas avant En réponse, les partisans de l'équinoxe attaquent la méthode de l'orge d'Aviv, rétorquant que le commandement d'établir la tête de l'année par l'orge n'est pas non plus directement énoncé dans la Torah. Cependant, leur argument ne tient pas car, comme nous l'avons déjà vu, il faut s'assurer que l'orge soit comestible, c'est-à-dire à -dire avive, avant de pouvoir tenir l'offrande de la gerbe agitée, alors que l'équinoxe n'a absolument rien à voir avec la gerbe agitée. Examinons à nouveau Exode 9.31, où l'on nous dit que l'orge était déjà en épi, c'est-à-dire à -dire avive. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi, c'est-à-dire à avive, et que c'était la floraison du lin. Les Écritures se font un devoir de nous dire que le premier mois de l'année arriva peu de temps après que l'orge fut à vivre. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous sortez d'Égypte aujourd'hui, dans le mois des épis, à vivre. Tu observeras la fête des pins sans levain pendant sept jours, au temps fixé, dans le mois des épis, dans le mois d'Aviv. Tu mangeras des pins sans levain comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans le mois des épis à vive que tu es sorti d'Égypte. Nous voyons bien dans ces trois passages que le premier des mois, bah c'est la vive, et que c'est dans ce mois que nous devons faire la fête des pins sans levain. On ne peut pas en tenir autant de l'équinoxe. Nous pourrions ajouter un autre argument contre l'utilisation de l'équinoxe. C'est un peu le même argument que j'avais utilisé dans la vidéo sur les anniversaires. Dans le calendrier sataniste d'Antoine Lavey, nous avions dit que l'anniversaire est la fête la plus importante pour les satanistes, car c'est la glorification de nous-mêmes à travers une fête. Mais dans la religion enseignée par les apôtres, nous ne devons pas nous occuper de nous-mêmes, mais plutôt nous soucier des autres. La religion pure et sans tâche devant Elohim notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Eh bien, l'équinoxe est aussi quelque chose de très important pour Anton Lavey et les satanistes du monde entier. Nous pouvons lire cela sur la page Wikipédia du calendrier sataniste. Ces dates sont considérées comme sacrées dans de nombreuses religions païennes, voire fêtes païennes. Lavey décrit brièvement leur importance, les citant comme marqueurs du premier jour de chaque saison, sans développer les raisons de leur importance comme il le fait pour Valpurgisnart et Halloween. Nous pourrions évidemment nous arrêter ici. Mais on nous rétorque souvent que Yeshua, durant son ministère, n'a jamais critiqué les rabbins concernant leur calendrier. Yeshua suivait le calendrier en vigueur et faisait les fêtes en même temps que les rabbins. Voyons donc à présent comment les rabbins utilisaient encore l'orge d'Aviv au temps de Yeshua. Nous allons voir surtout comment les rabbins sont progressivement passés au système de l'équinoxe. Mais surtout pourquoi ils ont fait cela. Avant de commencer à discuter de cela, il est important de comprendre ce concept de l'intercalation. Intercaler, c'est insérer un jour ou un mois dans un calendrier. Par exemple, on le sait tous hein, dans le calendrier grégorien, on ajoute un jour, c'est le 29 février, on ajoute ce jour durant les années bissextiles. Mais dans d'autres calendriers, on peut ajouter un mois. Voilà, la est terminée. Alors, les rabbins ont d'abord décidé d'introduire l'équinoxe dans leur processus d'intercalation, dans lequel la tête de l'année est établie. Le simple fait que l'équinoxe n'ait pas toujours été inclus dans le processus d'intercalation rabbinique dit quelque chose d'important. Mais il en va de même pour la manière dont l'équinoxe a été inclus pour la première fois. Rabbi Gamaliel, c'était le professeur de Shaoul, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Je suis en effet un juif né à Tars de Cilicie, mais élevé dans cette ville au pied de Gamaliel. Enseigné selon la rigueur de la Torah de nos pères, et j'ai été zélé envers Elohim comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Gamaliel était aussi un contemporain de Yeshua. Alors un membre du conseil se leva, un pharisien nommé Gamaliel, un maître de la Torah, tenu en respect par tout le peuple, et leur ordonna de mettre les apôtres dehors pour un peu de temps. Le récit historique du Talmud babylonien, traité sans 11b, nous dit donc qu'environ en l'an 50 de notre ère, Gamaliel a commencé à établir la tête de l'année en se basant non seulement sur l'orge, mais aussi sur l'état des colombes naissantes et des agneaux nouveau-nés. Il est arrivé une fois que Rabban Gamaliel était assis sur une marche sur le mont du Temple, et le scribe bien connu Yoranan se tenait devant lui avec trois feuilles coupées de parchemin posées devant lui. Il Gamaliel lui dit « Yoranan prends la troisième feuille et écris à nos frères, les exilés de Babylone et à ceux de Médéa, et à tous les autres exilés d'Israël, disant « Ta paix soit grande pour toujours. Nous vous prions de vous informer que les colombes sont encore tendres, que les agneaux sont encore jeunes et que la vive n'est pas encore mûre. Il me semble judicieux, à moi et à mes collègues, d'ajouter trente jours à cette année. » Ce passage du Talmud illustre parfaitement comment les rabbins voient leur autorité en matière de Torah. Les rabbins ne croient pas qu'il soit de leur devoir de suivre la Torah de Mosché à la lettre. Au contraire, ils croient que Yahweh a donné à Mosché le pouvoir d'établir la loi de la Torah comme il l'entendait. Et en fait, à la mort de Mosché, l'autorité d'établir la loi de la Torah a ensuite été transférée à ses successeurs, c'est-à-dire Josué, etc. Parce que les rabbins se considèrent comme les héritiers de cette autorité, ils n'ont aucun scrupule à changer la Torah à leur convenance, comme lorsque Gamaliel l'a fait lorsqu'il a pris en compte les jeunes colombes et les agneaux nouveau-nés, en plus de la maturité de l'orge. Malgré tout, nous voyons qu'il utilisait encore la maturité de l'orge pour déterminer s'il fallait ou non ajouter un mois supplémentaire, ce qu'on appelle intercalation. Malheureusement, il était déjà en train d'ajouter d'autres éléments comme les agneaux et les colombes. Le Talmud rapporte également comment le fils de Gamaliel, Rabban Shimon ben Gamaliel 1, a été confronté à une situation similaire une génération plus tard et a rendu une décision identique, reportant le début de l'année civile en fonction de facteurs autres que l'orge à vivre. Rabbi Yanaï a dit au nom de Rabbi Shimon ben Gamaliel Nous vous prions de vous informer que les colombes sont encore tendres et les agneaux sont encore jeunes et la vive n'est pas encore mûre. J'ai réfléchi à la question et j'ai pensé qu'il convenait d'ajouter 30 jours à cette année. Entre les années 50 à 80 de notre ère, la tête de l'année n'était plus basée uniquement sur l'orge, mais était basée sur un total de trois facteurs agricoles. Le premier, c'était l'état de maturité de l'orge. Le deuxième, c'était l'état des colombes naissantes. Et le troisième, c'était l'état des agneaux nouveau-nés. D'un certain point de vue, cette décision avait du sens l'orge les colombes et les agneaux doivent tous être à un certain état de maturité avant que la pâque et la gerbe agitée puissent être offertes cependant si nous nous arrêtons pour y penser lorsque l'orge est à vive les agneaux et les jeunes colombes seront également prêts donc il n'y a jamais vraiment eu besoin d'élargir la portée au delà de ce que yahweh nous ordonne mais c'est important car nous voyons la façon dont fonctionne l'esprit rabbinique. Une fois qu'un précédent juridique avait été établi pour élargir le champ d'application, pour prendre en considération d'autres facteurs agricoles, il était simple d'élargir un peu plus le champ d'application pour inclure l'équinoxe. C'est pour cette raison que l'équinoxe a finalement pu remplacer l'orge au stade à vive en quelques années seulement. Les œuvres de Flavius Joseph sont datées d'environ 90 de notre ère, environ 60 ans après la mort de Yeshua. En écrivant pour un mécène romain, Joseph a déclaré que les Juifs établiraient le début de leur année civile au mois romain de Xanticus. Au mois gréco-romain de Xanticus, que nous appelons Nissan, et qui est le début de notre année, le 14e jour du mois, quand le soleil est en bélier, car c'est en ce mois que nous avons été délivrés de la servitude des Égyptiens. Alors que Joseph était autrefois un prêtre très respecté, nous devons nous rappeler que Jérusalem est tombé aux mains des Romains en 70 de notre ère. Et à l'époque où Joseph a écrit les antiquités judaïques, il écrivait pour plaire à un mécène gréco-romain. Puisqu'il dépendait de plaire à ce mécène gréco-romain pour gagner sa vie, il a probablement formulé son explication en des termes que son mécène pouvait facilement comprendre. C'est probablement en raison de l'assujettissement romain que des termes latins tels que l'équinoxe ont fait leur chemin dans le Talmud. La première utilisation du terme équinoxe se trouve dans le Talmud traité sans Hédrin 11b, daté d'environ 100 de notre ère, quelques 30 années après la chute de Jérusalem, et peut-être quelques 1600 ans après le don de la Torah. Nos rabbins ont enseigné, l'année intercalée est basée sur trois choses, sur la vive, sur le fruit des arbres et sur l'équinoxe. Sur la base de deux d'entre eux, L'année est intercalée, mais sur la base de l'un d'eux seuls, l'année n'est pas intercalée, mais quand la vive en fait partie, tout le monde est content. Tout le monde était content euh, lorsque l'orge d'Aviv était l'un des facteurs utilisés pour déterminer la tête de l'année. Mais ce n'est pas la même chose que de prendre un soin extrême à s'en tenir à la lettre de la Torah de Yahweh. En fait, ce passage est une illustration parfaite du genre de choses que Yahweh interdit dans Deutéronome 4.2. Où il nous dit de ne pas ajouter à ses lois afin que nous puissions garder ses lois plutôt que nos propres lois. Tu n'ajouteras rien à la parole que je te prescris et tu n'en retrancheras rien afin que tu gardes les commandements de Yahweh ton Elohim que je te prescris. Il est intéressant de remarquer comment le langage spécifique implique que si nous ajoutons aux commandements de Yahweh, ce ne sont plus ses commandements mais ce sont les nôtres. C'est exactement ce que font nos frères rabbiniques. À la fois orthodoxe, mais également messianique, lorsqu'ils décident eux-mêmes de ce qu'est la loi de la Torah, au lieu de s'accrocher à la Torah de Yahweh. Nos frères et sœurs juifs ont continué à déterminer la tête de l'année depuis le Mont du Temple, tant qu'ils avaient encore un accès libre à Jérusalem. Cependant, après que les juifs ont été impitoyablement écrasés à la suite de la révolte de Bar Korba, vers 135 de notre ère, les Romains ont alors interdit aux Juifs d'entrer dans n'importe quelle partie de la Judée, c'est-à-dire le sud d'Israël. Et parce que les rabbins ne pouvaient plus entrer dans les régions les plus chaudes comme Gaza et la vallée du Jourdain, où l'orge mûrit euh, le plus tôt, bah, il n'était plus possible pour les rabbins de baser la tête de l'année sur l'orge d'Aviv. Pourtant, puisque les rabbins avaient déjà établi un précédent juridique consistant à baser la tête de l'année sur autre chose que l'orge, ils étaient maintenant mentalement préparés à adopter un calendrier créé par l'homme dans lequel la tête de l'année était basée principalement sur l'équinoxe. Le changement se fait souvent lentement. Il est intéressant de noter que même après 135 de notre ère, 100 ans après le ministère de Yeshua, les rabbins enseignaient toujours qu'il n'était pas idéal d'établir ou d'intercaler la tête de l'année avant que l'orge à vivre ne soit observé. Nous le savons parce que le traité Sanhedrin 12A, qui date d'à peu près 135 de notre ère, parle d'une époque où Rabbi Akiva intercalait trois ans à l'avance. La raison pour laquelle il a fait cela, c'est qu'il était en prison après la révolte de Bar Korba, risquant d'être exécuté. Bien que son rôle dans la révolte de Bar Korba ne soit pas clair, il a été exécuté en 137 de notre ère nos rabbins ont enseigné nous ne pouvons pas dans l'année en cours intercaler l'année suivante ni intercaler trois années de suite rabbi shimon a déclaré cependant il est arrivé une fois que rabbi akiva lorsqu'il était détenu en prison à la suite de la révolte de bar corba intercalait trois années de suite le rabbin akiva a peut-être estimé qu'il était nécessaire d'établir le début de l'année trois ans à l'avance car la nation était en plein désarroi il a peut-être estimé qu'il était nécessaire de gagner du temps pour que ses frères se remettent de leur misérable défaite aux mains des Romains et d'établir une nouvelle direction. Le judaïsme rabbinique, cependant, est orienté vers la loi et il soutient que tout précédent juridique ancien justifie une décision similaire, même si cette décision va à l'encontre de la Torah de Moshe. Ainsi, lorsque les Romains ont interdit aux Juifs d'entrer en Judée, c'est-à-dire le sud d'Israël, où l'orge mûrit plus tôt, ils ont dû se retirer en Galilée et chercher un autre moyen d'établir la tête de l'année. Et puisqu'il y avait déjà un précédent impliquant l'utilisation de l'équinoxe, et puisqu'ils ne pouvaient plus faire leurs observations euh, quand les prémices de l'orge devenaient avives, ils pensaient qu'ils avaient de bonnes raisons d'intercaler les années en Galilée. Cela peut expliquer un passage ultérieur dans le traité 100 Edrin 11B, qui selon certains érudits a été écrit après la révolte de Bar Corbra. C'est-à-dire après 135, mais avant les années 200. Nos rabbins ont enseigné, les années ne peuvent être intercalées qu'en Judée, mais s'il a été intercalé en Galilée, il tient. En 200 de notre ère, le sang Hédrin s'est officiellement déplacé en Galilée afin de trouver un soulagement à la persécution romaine, ici appelé par euphémisme le mauvais œil. Il est arrivé une fois que 24 villages du domaine de Rabbi Judas le prince se sont réunis pour intercaler l'année à l'ode. Le mauvais œil, c'est-à-dire les soldats romains, les pénétra, et tous moururent en une seule occasion. À partir de ce moment-là, ils ont retiré l'intercalation de l'année depuis la Judée et ont définitivement établi le rite en Galilée. Des euphémismes tels que le mauvais œil étaient généralement utilisés pour éviter d'être punis pour avoir enregistré le péché de l'Empire romain, car de telles choses étaient généralement punies de mort. Ayant été interdits de Jérusalem et de Judée, les rabbins n'avaient d'autre choix. Que d'adopter de nouveaux moyens de déclarer la tête de l'année. Finalement, au IVe siècle de notre ère, les rabbins ont créé un calendrier appelé le calendrier Hillel II, qui utilise un brillant algorithme mathématique pour approximer la date à laquelle l'orge arrive réellement à maturité dans le pays. Fait intéressant, cet algorithme ne déclare jamais la tête de l'année avant l'équinoxe vernal. Bien qu'il y ait des erreurs et des problèmes avec ce calendrier, la plupart des années il se rapproche de l'apparition de la nouvelle lune à un ou deux jours près même si nos frères juifs sont maintenant de retour dans le pays les rabbins utilisent encore le calendrier Ilel 2 à ce jour en 2023 et c'est un problème alors le calendrier ilL2 c'était une solution brillante pendant les années où frère Judas eh bien, il était incapable d'observer la maturité de l'orge en terre d'Israël mais maintenant qu'ils sont capables d'observer directement la maturité de l'orge, eh le temps est venu, et c'est maintenant, de retourner à la Torah de, du Père. C'est-à-dire qu'ils devraient retourner à l'observation de l'orge euh, seul. Je vais vous donner un exemple de calendrier utilisant l'équinoxe de printemps. J'avais déjà cité dans une autre vidéo le calendrier de la Tekufa de Netivotolam. Le calendrier de la Tekufa, comme son nom l'indique, utilise la fausse compréhension que Tekufa veut dire équinoxe. Et nous avons vu dans cet enseignement que cela est faux. Mais il est intéressant de noter que l'organisation Netivotolam dépend d'un rabbin américain. En effet, Netivotolam dépend spirituellement de James Stream, qui n'hésite pas à se qualifier de rabbi, comme nous le voyons euh, sur sa chaîne YouTube. Je rappelle au passage qu'on ne devrait pas se faire appeler Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Il est donc logique que Netivotolam utilise un calendrier qui ne respecte pas la Torah et ajoute l'équinoxe à son calendrier. Rabbi James Stream enseigne comme les rabbins et ne se base pas sur la vibe, mais se base sur l'équinoxe de printemps pour démarrer l'année. Quand vous adhérez à un groupe, il est toujours important de voir quelles sont les racines, les fondations spirituelles de ce groupe. Mais je voulais vous montrer un autre calendrier. Une abonnée m'a envoyé un calendrier messianique, appelé le calendrier du roi David. Comme nous venons de le voir, l'équinoxe n'est pas dans les écritures. Par contre, l'orge de la vive, oui. Nous savons maintenant que l'équinoxe a été ajouté. Car c'est dans la mentalité rabbinique d'ajouter aux Écritures. Eh bien, ce calendrier messianique ne déroge pas à la règle. Ce calendrier, même si c'est écrit en gros euh, calendrier messianique, nous voyons un peu plus loin, et écrit en plus petit, que c'est le calendrier lunaire des rabbins de la tradition. Au moins, c'est clair et affiché. Et à la page 7, nous pouvons lire que ce calendrier se base sur l'équinoxe pour commencer le début de l'année. Le calendrier spirituel de 364 jours devra commencer impérativement le premier mercredi suivant l'équinoxe du printemps, et ce premier jour de l'année doit être un jour entier, comme le décrit la Genèse. Il y eut un soir et un matin. Il n'est même pas fait mention de la vive une seule fois. Il est fait mention seulement d'instruments pour mesurer l'équinoxe, comme on le voit ici. La Torah ne parle jamais d'instruments pour mesurer le début de l'année. Et c'est normal, car nous n'en avons pas besoin. Il nous suffit d'observer la maturité de l'orge. À l'époque de Yeshua, Gamaliel inspectait encore la maturité de l'orge. Mais petit à petit, les rabbins ont décidé que cela n'était plus important. Et puis, ils ont ajouté à la parole, et notamment l'équinoxe. Pour finir de vous convaincre, j'ai aussi remarqué que dans ce calendrier, eh bien, il y avait aussi d'autres ajouts à la parole. En effet, en plus de contenir un calendrier, cet ouvrage nous explique. Quels poissons nous pouvons ou non consommer À la page 48, nous retrouvons le tableau avec les poissons interdits à la consommation. Le tableau s'intitule Poissons ou animaux marins non comestibles par l'homme selon la Torah. Ils n'ont pas d'écailles et ou de nageoires. Lesquels, par exemple En lisant cela, on se dit Bon, c'est très bien Cela suit parfaitement la Torah de Moshe. c'est génial. Malheureusement, moi qui suis pêcheur, eh bien je connais bien les poissons. Dans ce tableau, le barracuda est interdit, ainsi que le doré jaune. Le tableau précise qu'ils ont tous deux des écailles et des nageoires. Mais parce qu'ils sont des prédateurs voraces, alors ils ne sont plus cachers. C'est clairement un ajout à la Torah encore une fois. Si nous devions interdire les poissons parce qu'ils sont des prédateurs, alors nous devrions interdire tous les carnassiers comme le brochet, la perche, le bar ou le cendre. Pourtant, ce même document dit qu'ils sont, quant à eux, parfaitement cachers. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'aller pêcher le bar dans l'Atlantique, et Yahweh m'a permis d'observer une scène de chasse de ce prédateur qu'est le bar. Bon, j'ai été assez fasciné parce que ces poissons agissent en groupe, en meute, et ils se jettent sur des petits poissons. Leur technique de chasse est très impressionnante à voir. On les voit sauter et se jeter sur les poissons sans défense. L'autre nom du bar, c'est le loup. Et je vous assure qu'ils agissent vraiment comme des loups. C'est assez étonnant. Enfin tout ça pour vous dire que le barracuda ou alors le doré jaune sont bien des poissons qu'on peut consommer. Car ils possèdent des nageoires et des écailles. Quand bien même ce sont des carnassiers. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que cet ouvrage est profondément rabbinique car c'est dans leur mentalité d'ajouter à la parole. Voici une diapositive pour résumer la situation. Dans la Torah de Moshe, pour fixer le début de l'année, on utilise l'orge d'Aviv. Et pour déterminer si un poisson est cachère, on regarde s'il a des nageoires et des écailles. Mais dans la Torah des rabbins, on ajoute des choses. Pour le début de l'année, on utilisera les jeunes colombes, les agneaux et surtout l'équinoxe. Et pour dire si un poisson est cachère ou pas, eh bien on va ajouter le critère « qu'on interdit qu'il soit un carnassier. Donc pour vous y retrouver dans cette multitude de calendriers qu'on trouve dans la division du messianisme, il suffit de regarder si votre calendrier utilise l'équinoxe ou non. Si vous voyez écrit équinoxe quelque part, alors directement vous pouvez écarter ce calendrier car il ne suit pas la Torah, mais il suit les coutumes rabbiniques. Il y a évidemment encore d'autres éléments à prendre en compte pour valider un calendrier. Et nous verrons cela dans d'autres enseignements. Je m'arrête là concernant le sujet de l'équinoxe. C'était un enseignement du frère Norman Willis. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazariens. C'était Benjamin Shalom.